avons besoin de vos prières, de votre soutien pour que nos familles soient gardées pendant notre absence et puis pour que cet évangile que nous allons prêcher avec la puissance du Saint-Esprit puisse toucher un maximum de personnes. Mais aussi que les églises où nous passerons soient encouragées, soient fortifiées et édifiées. Donc merci à chacun de nous soutenir, nous comptons sur vous et je vous dis à très bientôt. Agora, para o ano que vem, vai fazer 40 anos. É, anos que ela vem, não, ela está vendo, vai fazer 41 anos. 40 anos que a minha mulher. É, 40, vai fazer para o ano que vem 40 anos. Ah, 41 anos, o ano que vem. Sei, 40 anos que sou com a minha mulher. Ah, 40? 40 anos. Ah, 40 anos, sim. Essa rapariga falou de Jesus. Eu já há 40 anos que estou com ela. E faz 40 anos nós estamos juntos aqui. E ela não me falou de uma religião. Nunca está falando de religião. Ela falou de Jesus. Papiana falando de Jesus. E Jesus é a verdade. Jesus é E há muita pessoa que aqui da terra não se importa de Jesus, não quer Jesus, mas não há coisa mais bonita aqui da terra que dar o seu coração a Jesus. E eu não sei se hoje, aqui à noite, todos vós estáis em regra, desses o vosso coração a Jesus, porque se não estáis em regra com Jesus, um dia quando vocês vão estar do céu, e que lá está lá, é uma imagem, que lá está essa porta que tem. Glória a Deus. E porque um dia dei a minha vida a Jesus, hoje estou aqui convosco. Por quê? Foi Ele que conduziu. Por cada vida que salvaste, Pai Santo, Senhor, cada um precisa de Ti aqui. Amém. E te peço, um dia, esta igreja esteja Amém. Cheia de jovens e de mulheres e de homens salvados. Thank you.
une témoin porteuse de cette vie que mes parents m'ont communiqué, la foi dans le Dieu d'Israël. Et ce qui va se passer, c'est que cette petite fille, en s'oubliant elle-même et en se mettant au service du Seigneur, le Seigneur la guérit. Intérieurement, elle va guérir de son traumatisme. Non pas qu'elle va oublier que ses parents ont été tués, mais elle va le mettre de côté, elle va se laisser guérir en s'oubliant elle-même pour servir et être un témoin dans cette famille. Je sais comment il est né, je sais qu'il a vécu là-bas, qu'il est né même à Bethléem. Je connais beaucoup de choses, je sais qu'il a fait des miracles. Mais ça ne change jamais leur vie. Et quand vous posez cette question à quelqu'un, tu crois en Jésus, c'est pour entrer en matière. Mais la deuxième question qui vient, et c'est ce que dit ce chant, et là, quand vous posez la deuxième question, elle divise tout de suite. Jésus n'est pas une religion. Jésus est le Fils de Dieu. Il a donné sa vie. Et quand vous allez le prier et lui dire, Seigneur, j'ai tel besoin. J'ai besoin que tu interviennes dans ma famille. J'ai besoin que tu guérisses mon fils. J'ai besoin que tu me guérisses au niveau de ma jambe. Jésus va le faire.